Bienvenue sur le site de Saint-Imier. C'est ici, près de Grenoble, au pied des Alpes, que nous développons et que nous assemblons les radiocommandes sécurité RG depuis maintenant plus de 40 ans. Notre métier, c'est d'assurer la mobilité en toute sécurité des personnes et des équipements industriels utilisant nos radiocommandes, parfois dans des environnements très sévères. La sécurité fait vraiment partie de notre ADN et c'est notre priorité numéro 1. Quand je parle de sécurité, je pense bien évidemment à la sécurité des utilisateurs, mais aussi à la sécurité des collaborateurs qui sont présents sur le site. En 2019, nous avons rejoint le groupe Conductix Vinfleur pour qui la sécurité est vraiment à la base de sa stratégie, dans tous les domaines, sur tous ses sites, partout dans le monde. Depuis maintenant 3 ans, nous continuons à développer notre politique QHSE, avec notamment une politique de prévention très forte sur les troubles musculo-squelettiques, plus connu sous le nom de TMS. Concernant le plan d'action qui vise à réduire le risque de TMS, on se focalise particulièrement sur le dos. Donc l'objectif chez nous, il est double, à la fois protéger les collaborateurs qui travaillent depuis de nombreuses années dans la logistique et qui peuvent présenter des risques de lombalgie lors des manipulations, mais également aussi de protéger nos jeunes collaborateurs pour éviter ce type de maladie à long terme. Donc bien sûr, nous menons des formations gestes et postures pour réduire le risque, mais cela n'est pas suffisant. Dans ce cadre, la ceinture, l'exosquelette s'est imposée à nous, bien plus efficace, et en concertation avec l'équipe logistique, nous avons décidé de l'essayer. L'exosquelette, c'est un dispositif d'assistance à l'effort qui soulage nos opérateurs lors des phases de manipulation. Dans notre cas, il se présente sous forme d'une ceinture lombaire motorisée qui soulage la colonne vertébrale des pressions induites par la manipulation des charges. Il agit comme un amortisseur, il laisse la liberté de mouvement à l'opérateur tout en limitant les postures à risque. Il est très facile à mettre en place, il suffit de placer la ceinture autour de la taille, d'ajuster le serrage et de démarrer le dispositif électronique afin de régler le niveau de soutien en fonction de l'opérateur. Il offre des avantages indéniables. Premièrement, il est rapide et facile à mettre, ce qui fait que les opérateurs ne le voient pas du tout comme une contrainte. Ensuite, il offre une vraie liberté de mouvement. Quand on l'utilise, on est vraiment à l'aise dedans. Et troisièmement, toute l'équipe peut l'utiliser. On n'a qu'un seul exemplaire et l'équipe ne l'utilise que sur certaines phases bien spécifiques de la journée. Il y en a un qui est particulièrement sorti du lot par rapport à leur réactivité, par rapport à leur qualité d'écoute. C'est une société française qui s'appelle Japé, qui nous a proposé un matériel qui semblait vraiment convenir à notre besoin. Nous sommes satisfaits de cet exosquelette, de par déjà la qualité des matériaux entre les mousses et les finitions, et puis tout simplement par la sécurité qu'il apporte à tous ses utilisateurs. Il a été vraiment adopté et intégré à l'équipe logistique. La preuve, aujourd'hui, il a même son propre vestiaire.